Il ne faut jamais faire ça à un commando en mission spéciale. Ouais, c'est ça. C'est quoi juste ta mission, Bradley? On dit colonel Bradley, ma petite. Chef suprême de la section des Rangers Galactiques défendant la Terre contre l'invasion des aliens. D'habitude, ils viennent d'Uranus. T'aurais dû écouter la météo, elle prévoyait des averses. Ouais, t'aurais dû. Je vous le ferai payer, bande de... Bon sang, moi, le gros gagneux, saleté de camelote. Je lui mettrai bien mon pied aux fesses, moi. Quoi? À qui est-ce que tu mettrais bien ton pied aux fesses, Bradley? Mais j'ai rien dit, moi. Je vais porter plainte, attaquer le constructeur, le traîner devant les tribunaux. Le ruiner, le mettre sur la paille, le ruiner. C'est jour de lessive, monsieur Dodler? Oui, et ce monstre mécanique m'a encore dévoré une chaussette presque neuve. Oh non, il a encore faim. N'y mettez pas la tête! Tous aux abris! Les lâches et les enfants d'abord! Attends, je vais t'apprendre, moi! Je crois qu'il n'est pas prêt de recommencer, monsieur Dodler. Ah, dans mon jeune temps, c'était pas aussi compliqué de faire sa lessive. Je parie que vous aviez pas de séchoir automatique. Non. D'ailleurs, on n'avait pas de machine à laver non plus. Ça devait se sentir. Deviens adulte, Bradley! Vous deviez laver votre linge dans la rivière? Ouais. D'abord, fallait bien le tremper et le savonner. Vous êtes en train de polluer une de nos ressources naturelles. Où est donc passé votre sens des responsabilités? Il n'y avait pas de sens des responsabilités à cette époque. Ça a été inventé plus tard. Dans le temps, il n'y avait pas besoin de trier le linge avant de le laver et de s'embêter avec tous ces gadgets. Je parie que vous alliez à l'école à pied par tous les temps. Oui, ma fille. En passant par le pôle Nord et pieds nus. Pieds nus? On n'avait pas inventé les chaussures. La dernière fois, vous nous avez dit que vous faisiez 40 km par 30 degrés à Londres. Et ça arrivait, c'est quand on prenait pas la route sud. Enfin, une fois à l'école, fallait se tailler un crayon. Vous n'avez pas honte de massacrer nos forêts, monsieur Dodler? Oh, c'était pas un problème dans le temps. Pour un arbre abattu, on en plantait une dizaine. Et ça poussait dans tous les coins. Vous deviez pas avoir grand-chose à l'époque. Ah, sûr qu'on n'avait pas de bricoles comme vos micro-ondes ou vos chaînes Zifi. Vous aviez quand même l'électricité, non? Ben oui, mon petit. Mais c'était pas aussi simple qu'en appuyant sur un bouton comme nos jours. Et ça marchait pas à tous les coups. Bon, si vous aviez pas l'électricité, comment vous vous chauffiez? Au feu de bois. L'ennui, c'est que pour avoir le feu, il fallait un dragon. Ça, c'est génial! Ça, c'est toi qui le dis, gamin! Tu sais pas à quel point c'est pénible de devoir, par un froid matin d'hiver, enfiler une armure en métal glacé. Il fait froid! Ouais, et avant le petit déjeuner, il fallait secourir une demoiselle en détresse. Dur! J'ai jamais su faire détresse! Il a dit détresse, Bradley. Détresse comme dans le secours. Lorsque vous vous adressez à moi, dites sire, Bradley le vaillant. Et où est-ce qu'ils sont, vos dragons? Et qui penses-tu qui mettent les damoiselles en grand péril, hein? Mais quelle surprise! Sir Bradley, chevalier qui tire plus vite que son ombre. Ouais. Ouais, super, voilà mon sauveur. Ce coup-ci, Cradley, t'es grillé. Grillé. Génial.
Je vais te faire voir comment on s'occupait d'eux à l'époque. Si nous devons assister à une nouvelle scène de violence gratuite pouvant entraîner de graves traumatismes psychologiques, dites-le-moi tout de suite parce que dans ce cas, je m'y opposerai fort. Je dirai tout à maman, Larry. Tu vas devoir rester enfermé ici pour le restant de ta minable existence, Cradley. Si tu oses mettre un bout d'orteil dehors, on te lessive, compris? Le pire, là, faudrait le passer à la machine. Dites, monsieur Dodler, à votre époque, tout le monde vivait dans des vieux châteaux? Vieux, et les châteaux, au temps des dragons, c'était le dernier cri, je me souviens de mon enfance. Rien que pour aller dans le jardin, fallait la journée. Et vous aviez pas le permis de conduire? Si, mais les voitures, elles, n'étaient pas inventées. Vous deviez bien avoir des chevaux. Salut! Oh, on aurait donné la prunelle de nos yeux pour un cheval, mais fallait se contenter des dinosaures. Géant! Évidemment, fallait faire attention et choisir une monture amicale. Et vous savez pas le pire? Ouh, ils avaient pas encore inventé le dentifrice. Le désodorisant non plus. Qu'est-ce que un Larisaurus? Accélérez! Il y a le Larisaurus qui gagne du terrain! Au moins, vous avez de bonnes jambes. À mon époque, c'est tout juste si on avait un système nerveux. On n'était pas grand-chose de plus que du plancton. Oh, bah, c'était pas la joie, dites donc! Ça, tu l'as dit. Mais on se plaignait pas. De toute façon, on n'aurait pas pu. On n'avait pas encore d'organes vocaux. Pour ça, il a fallu attendre que les choses évoluent. Salut les gars! Salut Bill! Sacré Morus, allez, je sais pas si ça prend du temps pour évoluer, mais j'en ai ras les bottes d'attendre. Heureusement que maintenant je peux m'exprimer, j'ai tellement de choses à dire, alors c'est ça qu'on appelle la soupe primitive! Bah dis donc, elle est pas terrible votre soupe, elle mérite pas 3 étoiles! Et en plus, c'est pas vraiment de la soupe! On n'a qu'une solution pour s'en sortir! Essayez de la manger, vous verrez! Évoluez! Y'a pas de sel! Moi, je file d'ici, les petits! Et puis, essayez d'aller dans un restaurant et d'en commander un grand bol! Vous verrez la tête du serveur! Entendez-nous, oh, mais certainement, monsieur! Monsieur désire des vermicelles primitifs avec sa soupe! Et attendez-moi, vous deux! Où est-ce que tu crois que tu vas, pauvre cloche? Là où l'évolution me pousse! J'ai besoin d'évoluer! Attends un peu, petit malin. Tu vas d'abord nous dire comment on évolue! Ouais, mais qu'est-ce que c'est, évoluer? Par la sacrée Morus, allez, les gars! C'est pas difficile! Faut juste vous concentrer un peu! Il y en a qui changeront jamais. Et à mon avis, vous en faites partie. Vous allez devoir vous y faire. Vous serez toujours des primaires. Cette gamine m'étonnera toujours. Elle va grimper au sommet de l'évolution en un rien de temps. À propos, pour savoir l'heure, vous utilisiez quoi? Un cadran solaire? Eh non, petit, pourquoi faire? À l'époque, le temps n'existait pas encore. Maintenant que j'y pense, il n'y avait pratiquement rien en ce temps-là. Il y avait Uranus? Non, pourquoi? Deviens adulte, Bradley! On aurait bien aimé l'avoir, Uranus. Mais tout ce qu'on avait, c'était rien qu'un grand trou noir. Et voilà, on va les coincer! Ensuite, bien sûr, on a dû passer par l'épreuve du Big Bang. Valait mieux faire attention à l'époque et savoir survivre. Ça t'arrive de temps en temps de regarder où tu vas. Qu'est-ce que t'as? Ils sont lessivés!
Ça y est, c'est bientôt fini. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Tout le monde court dans tous les sens et à toute vitesse. C'est pas mal comme fin. Quoique, à mon époque, on n'avait pas de faim, et pas de coucher de soleil, et pas de pauvre héros solitaire loin de son foyer. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'était en 19. Plutôt en 17. Enfin, l'année où il avait fait si chaud qu'on savait pas en quelle saison on était.